Région d'Edenshore. Alors c'est tout à droite au milieu de la map. Alors c'est au début du jeu qu'on attaque cette région-là. On va s'attaquer aux street art. Ils sont au nombre de 8. Edenshore, donc notre tout premier graffiti. Alors il se situe pas très loin d'une station service. Ici, vous avez un bâtiment et dans le renfoncement, contre le mur, là, il est ici. Second graffiti, alors il est plutôt en bas à droite de la région. Quand vous regardez la mer, derrière vous, il y a une espèce de bâtiment en haut. Et voilà le second. Troisième, donc par rapport à celui d'avant, on va remonter gentiment en haut à gauche. Quatrième graffiti, on continue toujours en haut à gauche par rapport au troisième. Alors vous avez une espèce de tunnel, hein, pas loin avec un radar. C'est à l'extérieur du tunnel que vous allez le retrouver. L'entrée du tunnel est ici. Arrêt de 4. Nous en sommes à la moitié. Graffiti numéro 5. Alors là, on est remonté tout au nord, juste après avoir tapé le panneau. Tout au nord, à gauche, vous avez au niveau du pont un graffiti qui se retrouve sur un bâtiment. Et en vous collant à l'extrémité, vous avez moyen de le récupérer. Sixième graffiti, alors on est toujours sur la petite presqu'île, donc au milieu, tout en bas. Alors j'avais fait un premier tour et j'étais passé à côté. En cherchant plus précisément, je suis tombé dessus derrière le gros bâtiment là. Hop. Follow me. Il en reste deux. Avant-dernier. Donc là, au milieu d'une très grande artère, vous avez ici. Alors, je vous laisse exprès les courses de référence pour que vous ayez plus de points pour vous repérer. Ici, vous avez une espèce de petite ruelle. Ah, ils sont vicieux, hein, pour encore une fois, il faut vraiment se balader au milieu des bâtiments pour pouvoir tomber dessus. Un joli tag haute poursuite. Voilà, prenez comme référence ici la forme des rues, c'est beaucoup plus simple pour s'y retrouver parce que c'est pas évident hein, quand tout est rectangulaire les quartiers. Le dernier street art, alors il est du côté gauche, le long de la baie. Vous avez quelques bateaux d'amarrée, alors c'est pas au niveau de la route. D'ailleurs, quand on roule à côté de la route, enfin sur la route, on ne le détecte pas, faut vraiment être au niveau du bord de mer pour arriver à le faire couper. Voilà, Vinyl, éditeur de billage, en récompense.